Excusez-moi. Ce jeune homme n'ira pas plus loin. Il est formellement interdit de rouler à trottinette sur le trottoir. Cette fois-ci, il ne sera pas verbalisé. Les policiers souhaitent pour l'instant sensibiliser les usagers à la réglementation des EDP, les engins de déplacement personnel motorisés. Même infraction pour cet homme, qui risque 135 euros d'amende. Pour sensibiliser les usagers à cette nouvelle réglementation, les policiers distribuent des flyers regroupant les principales règles de circulation auxquelles les amateurs de trottinettes semblent adhérer. C'est une bonne chose. 25 km/h, c'est largement suffisant en vélo et en trottinette. Les policiers recommandent aussi aux usagers de respecter certaines règles pour leur sécurité. Le port du casque, c'est pas obligatoire, je le recommande très fortement, mais également le tout objet qui peut être réfléchissant, notamment le port du gilet la nuit. On voit à Paris des gens qui circulent sur des EDP qui n'ont pas de lumière et qui sont en habit noir. Donc concrètement, on les voit pas du tout. Si la réglementation des EDP n'est pas respectée, les usagers peuvent être verbalisés, des amendes pouvant aller jusqu'à 1 500 euros pour un excès de vitesse.